Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon début de semaine. Une semaine pleine d'amour, de gratitude et surtout une semaine chanceuse, sans problème. Ça ferait bien du bien à tout le monde. En tout cas, vous savez que je vous souhaite toujours le meilleur. Et en ce lundi du 12 septembre, je ne sais pas si nous avons les mêmes festivités comme en Italie, mais chez nous aujourd'hui, c'est la Sainte Marie. Donc, joyeuse fête à notre Vierge Marie. Notre mère à tous. Et comme chaque lundi, moi je dis que c'est le lundi angélique. Parce que nous allons voir les messages de nos défunts, ainsi des anges. Des messages toujours pour nous encourager, des messages pour nous guider. Et il y a certaines personnes qui en ont vraiment besoin. Parce que ça aide énormément à comprendre que rien ne prend vraiment fin définitivement. Et nos êtres chers, encore une fois, je tiens à le rappeler toujours que ce n'est que l'enveloppe charnelle qui nous quitte, mais ils sont toujours près de nous. Et nous ne sommes jamais tout seuls, car nos anges sont avec nous. Et nos êtres chers, ce sont des anges. En tout cas, avec ce message, ils apportent le conseil, quelque chose d'important à quelqu'un particulier entre vous. Ces messages ne sont pas pour tout le monde. Bien sûr, c'est des lectures générales, mais elles sont toujours véridiques, elles sont toujours pour quelqu'un. Le message arrive à ceux et celles que, durant cette semaine, ont besoin d'entendre certaines choses. Et vous le savez toujours quand ce message est pour vous. Il résonne avec vous. Il va y avoir des larmes de joie. Il va y avoir un mot, même un mot que je dis par erreur, un mot que j'insiste à dire qui n'a pas de sens. Enfin, faites vraiment attention à tout ce que je dis, comme je le dis. C'est des liens qui peuvent vous aider comment dire, à vous faire comprendre que ça appartient à quelqu'un que vous avez aimé, que vous aimez, qui n'est plus là, que il disait toujours. En tout cas, il y a un petit quelque chose quand je me trompe. Donc, vous, en tout cas, vous le saurez. Si ça ne vous parle pas, si ça vous irrite, si ça vous énerve, si ça vous dérange, alors vous éteignez et vous allez regarder une autre vidéo. Alors, en ce 12 septembre, nous allons voir les messages de nos êtres chers. Et oui, je me mets aussi dedans parce que ces lectures me parlent aussi, vous savez. Pas toujours, mais ça m'arrive aussi que ça me parle. Alors, aujourd'hui, je vais faire une lecture différente. Donc, je vais mélanger mes cartes. 12 septembre. Quels sont les messages qui doivent parvenir, s'il vous plaît, en ce jour? Et aujourd'hui, j'ai envie, et vous savez que je travaille énormément par intuition et que des fois, je reçois des messages un peu étranges aussi des fois. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de travailler comme ça. Avec la main du cœur, hop là, je vais choisir les cartes que je dois prendre. Oh, ici, c'est froid, donc il n'y a pas de message. Y a-t-il encore des messages? Ici. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? J'aime ici. Je l'avais déjà ressenti tout à l'heure. Ici, ça chauffe aussi. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? D'accord. Le message numéro 1. Je vous montre toujours les images parce que ça peut faire tilt avec vous. Ça vous peut vous rappeler
quelque chose en lien avec vos très très chers. Tu sens la chaleur le soir t'envelopper telle une belle couverture, c'est moi qui à tes côtés. Ici, on peut parler des jumelles, mais bon. La mort n'est que le début d'une autre vie. Ici, ça pourrait être un médecin, quelqu'un qui, en tout cas, avec ses mains soignées. C'est ce que je perçois. Donc, beaucoup de toucher, mais avec amour, pour venir en aide aux autres. Donc, n'importe quel type de médecine, même alternative, mais quelque chose avec les mains. Chaque minute passée à tes côtés ont été pour moi de merveilleux cadeaux. Un papa avec son enfant, même si vous êtes un grand enfant, il est toujours près de vous. Je te caresse la joue, je te regarde, parfois tu me sens, parfois pas. J'aime être près de toi. Comme je vous disais, il est près de vous, mais ils sont tous près de vous. Il suffit d'être un peu, on va dire, plus réceptif et vous pourrez entendre des fois des petites voix. Vous pouvez entendre le petit souffle du vent qui vraiment vous caresse. Vous pouvez sentir une petite froideur parfois, la chair de poule. Il y a plein de synchronicités, surtout il y a plein de façons. Il y a une odeur qui peut venir comme ça, inexpliquée. Vous ne savez pas. Et pourtant, d'un coup, vous sentez une odeur. Une odeur que, par exemple, quand on sent l'odeur de la cigarette, c'était sûrement quelqu'un qui fumait, vous voyez. On peut sentir des parfums. Il y a plein de petites choses, mes chers amis. Une part de toi souffre depuis mon départ, je le sens. Sache qu'ici, tout est merveilleux, ta peine légitime. Partira-t-elle un nuage dans le ciel pour laisser place au soleil? Si vous souffrez énormément de ce manque, ils vous disent bien que tout doucement, c'est comme un nuage qu'il va finir par passer. Le soleil va briller de nouveau pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez l'oublier, ça veut dire tout simplement que vous serez dans l'acceptation et que vous aurez compris qu'ils sont toujours là, qu'il est, il est toujours là. C'est pas parce que, voilà, est parti que vous ne voyez plus physiquement, que c'est parti à jamais. Or, on vous le dit bien que la mort n'est que le début d'une autre vie. Allez, avec celui-là, quels sont les messages avec celui-là? Et on va faire exactement la même chose. Je vais les étaler. Et je vais prendre les cartes que je dois prendre. Alors, quels sont les messages aujourd'hui, s'il vous plaît? Quels sont les messages que je dois prendre aujourd'hui, s'il vous plaît? Ici, ça brûle là. Et c'est celle-là que je veux. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Ça brûle par ici. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Ici, je ressens rien. Il n'y a plus rien. Ok. Alors, retiens-nous dans ton cœur, pas dans ta maison. Il est temps de se remettre chaque chose à sa place. À un moment donné, il faut savoir les laisser partir parce qu'ils ont quelque chose à accomplir ailleurs. Ce n'est jamais bon de les retenir. Et eux-mêmes vous le disent. Chaque chose à sa place. Retiens-nous juste dans ton cœur, mais pas dans ta maison. Crois en toi et en tes compétences. Nous croyons en toi.
avec une énergie du 10 qui me parle de réussite. Continue à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. L'énergie du 7 me parle justement de courage, d'effort. Les oiseaux sont le messager que nous avons choisi pour entrer en contact avec toi. Alors, durant cette semaine, faites attention à ces oiseaux. La semaine dernière aussi, on avait les oiseaux, mais nous sommes dans une semaine de pleine lune en poisson où nous devons être à l'écoute de notre intuition, voyez. Et il va y avoir énormément de rêves pour certaines personnes où vous pouvez trouver des réponses. Pour les personnes qui sont peut-être un peu moins ouvertes à réceptionner ces rêves, à comprendre, bah, il y a ces oiseaux qui peuvent faire ce travail-là. Si vous trouvez, vous voyez, des oiseaux tourner, voler autour de vous, dans un endroit inhabituel, d'une façon inhabituelle, inattendue, vous n'êtes pas seul en fait. Vos anges gardiens sont là. Et vos anges gardiens sont les anges, bien sûr, mais ce sont aussi vos êtres chers. Alors, soyez à l'écoute durant cette semaine. Vous n'êtes jamais seul. Voici les messages pour ce lundi 12 septembre. Prenez comme ça résonne avec vous, mais dans le sens, si c'est pour vous, vous le sentirez en tout cas. On n'a même pas de mots pour l'expliquer, mais vous le sentirez si c'est pour vous. Par contre, si vraiment ça vous irrite, passez à autre chose. Voilà les messages qui doivent arriver à quelqu'un d'entre vous aujourd'hui. Vous pouvez être plusieurs, comme une seule personne. Je ne sais jamais à l'avance. Cela dit, ils arriveront bien à destination, c'est toujours le cas. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Merci toujours pour les abonnements, les petits pouces en haut, les partages. Vous savez comment me contacter si vous avez besoin d'une lecture personnelle, d'un soin. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que rien ne meurt à jamais. Rien n'est fait pour durer. Mais rien ne s'éteint définitivement. Il y a toujours autre chose. C'est juste une nouvelle vie. Bonne semaine à vous et à très bientôt. Bye bye.